Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Très chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, la famille trinitaire vous remercie pour votre présence en ce vendredi 9 février 2024 pour méditer le chemin de croix pour les chrétiens persécutés dans notre pays, le Gabon, à travers le monde entier. Pensons à tous ces chrétiens qui ne peuvent pas vivre pleinement leur foi au Christ rédempteur. Ce qu'ils nous demandent chaque fois, c'est prier pour nous. Et voici pourquoi la famille trinitaire, chaque vendredi, intercède pour eux, afin que le Christ les accorde la foi, la persévérance, la libération et la conversion de tout ce qui persécute les chrétiens à travers le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et qu'il soit que vous soyez toujours avec lui. Et avec votre esprit. De l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, versets 11 à 13, nous proclamons. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Toi qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es la voie qui conduit au Père, au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des témoins injustes s'élèvent. Des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien. Je suis un homme isolé. Parce que, chrétiens, ils ont été accusés injustement. Depuis des siècles, les chrétiens sont encore harcelés ici ou là, de différentes manières. Ils sont vus comme une menace, ils sont donc menacés. On les soupçonne, on les dénonce, on les montre du doigt ouvertement, ou bien on parle d'eux dans les coulisses de la mort. Personne n'en sait trop rien parfois. On ne sait pas bien qui les condamne, et puis les voilà destinés à disparaître de la carte des vivants. Comme Jésus, sous n'importe quel prétexte, à huis clos, sans défense, sans raison, si ce n'est celle de se réclamer de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Dieu, notre forteresse et notre rempart au jour du malheur, tu as été un refuge pour Jésus de Nazareth quand nul ne pouvait le convaincre de péché. Viens encore au secours de ton Église, en proie à la haine du monde. Confirme-la dans l'esprit de force, qui lui fraye la roue de son pèlerinage terrestre et la soutienne avec bonté jusqu'à la maison de ton Père. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent ton Père. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi aimer et se savoir aimer. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison, ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Intimidés, marginalisés, inquiétés, ils n'ont plus droit comme les autres au logement, au travail, à la santé, à l'éducation de leurs enfants. Les tracasseries administratives à leur encontre se multiplient, leur précarité s'accroît, leur vie quotidienne devient un calvaire. Jésus, chargé de la croix de notre folie, de tout ce que nous faisons peser sur les épaules des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux qui acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton nom et la défense de leurs frères et sœurs. Puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l'Évangile avec assurance. Qu'ils puissent un réconfort dans la prière de l'Église. Recouvre enfin cette liberté que tu veux pour tous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Croisez station.
Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était nos souffrances qu'il portait. Nos douleurs donc il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Beaucoup de chrétiens tombent. La vie les oblige à des croix impossibles, déraisonnables. Clandestins, ils n'ont pas de moyens suffisants pour s'en sortir. Alors, quand les forces morales déclinent, grandes sont les tentations du découragement, du chemin détourné pour survivre, de la fascination d'une religion sans danger. À quoi bon les pratiques? Sérieusement contrôlées, elles ne sont que source d'ennui, inutiles aussi. Les efforts physiques, trop de fatigue pour tenir debout face au coup bas. Jésus le Nazaréen est tombé, accablé par la rudesse du chemin. Trop de cris, trop d'embûches, trop d'énergie malmenée, trop lourd. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Tu écoutes mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je meurs en espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je le guidais avec humanité, par les liens de tendresse. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Il n'y a pas que ceux qui oppriment. Il y a tous ceux et celles qui sont là, présents, visiblement ou invisiblement, pour apporter consolation et réconfort. Témoins de ces liens d'humanité qui demeurent envers et contre tout, prêtres visitant et encourageant les communautés chrétiennes des catacombes d'aujourd'hui. Il y a tous ceux, toutes celles qui protègent, ceux qui, dans l'ombre, souvent parfois aussi au péril de leur vie, veille sur les droits des minorités religieuses, ceux qui informent, ceux qui dénoncent, ceux dont la rencontre fut-elle un instant,
fait ressurgir des forces neuves, ceux pour qui l'on compte encore. Comme Marie, il y a tous ceux qui ont appris de Dieu à regarder les hommes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur, tu as donné le salut aux gens humains par la très glorieuse Vierge Marie. Accorde-nous qu'en implorant sa protection, nous soyons soulagés dans tous nos besoins et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fins fidèles reposent à ton Père. Amen. Que tu es belle, que tu es belle, Marie, par ton sourire, viens-tu illuminer nos visages. Tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères. Rends nos cœurs plus forts. Que tu es belle, que tu es belle, sourire, viens-tu illuminer nos visages. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et qui donc est mon prochain? Le prochain, celui qui se trouve sur ma vie. Celui dont j'apprends aujourd'hui la souffrance et qui ne peut plus, qui n'en peut plus. Tous mes frères en humanité qui ne sont pas libres de vivre leur foi dans leur pays. À cause de cela, ils doivent résister avec une fermeté héroïque à des attaques parfois sanglantes. Ils ont de l'endurance et du courage et continuent leur chemin malgré tout. Mais qui peut les soutenir, car ce chemin est dur. Qui sera leur providence? Écrire une lettre au gouvernement ou aux ambassades demandant la suppression d'une loi qui risque de les accabler? Qui peut, comme notre fondateur Jean de Matha, recueillir des fonds pour trouver des moyens de promouvoir le respect dû à tout homme? Qui peut, comme beaucoup de nos frères
continuer à s'engager sur le front de la charité ou de l'éducation? Qui peut travailler inlassablement à ce qu'il reste fidèle? Le Christ aussi a eu besoin d'aide sur son chemin. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, tu as enflammé Jean de Matar, notre Père, de l'amour divin pour promouvoir la gloire de la Trinité et alléger le fardeau du prochain. Accorde-nous qu'à l'imitation de son Esprit de devenir dans le monde des témoins de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte. Sixième station, Véronique est sur la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez faite à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Dieu qui se laisse approcher, regarder, toucher. Jésus laisse une femme essuyer la sueur, les larmes et le sang de son visage meurtri. Et ainsi, Dieu se révèle. En ce qu'il suscite au cœur de cet élan sans calcul vers l'autre, en ce qu'il rappelle au plus intime la beauté première et inaliénable du visage humain, en ce qu'il renouvelle les forces de ceux qui jamais ne renoncent à chercher la dignité de la personne. Pensons à ceux qui, dans le malheur de la persécution, ne rencontrent aucun regard ami, à ceux qui n'ont personne autour d'eux pour croire à leur dignité. Prions pour que chacun de nous découvre la capacité qu'il a à avoir en l'autre sa ressemblance avec Dieu. Prions pour que ceux qui souffrent trop puissent encore se laisser rencontrer. Prions pour que soit restaurée la dignité des hommes, des femmes, des enfants, et que soit reconstruite les vies brisées des peuples. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Jésus, le fruit
prions. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore, rétablis sa dignité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de faits fidèles reposent à ton Père. Amen. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Notre don Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le Fils resplendissant de la gloire du Père embrase la boue du monde. Pourquoi? Il n'a de mépris pour rien de ce qui est créé. Il connaît l'homme, petit de la terre, et que le souffle d'en haut vivifie. Trésor porté en des vases d'argile. Vase d'argile, mon frère torturé, sans valeur pour ceux qui te persécutent. Tu nous offres ton trésor d'énergie. Quand, pressé de toutes parts, tu ressurgis de ton écrasement. Vase d'argile, mon frère, défenseur des droits humains, pour chasser, tu ne perds pas courage. Tu puises ton trésor intérieur, l'obstination de ta recherche de justice, vase d'argile. Mon frère tortionnaire, tu rigis de haine. Mais dans l'impasse où tu es, terrassé par la haine et le mal, sache qu'il y a toujours une issue pour ressurgir à la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Béni sois-tu, Père. Tu as exaucé le cri de ton Fils au jour de sa chair. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui souffrent et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Tous les hommes alors te glorifieront dans les siècles. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Jésus-Christ, pourquoi dressé sur le monde, pourquoi de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la
surabonde. Oh, croix de Jésus-Christ. Huitième station. Jésus console la fille de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Secoue ta poussière. Lève-toi, Jérusalem captive. Les chaînes sont tombées de ton cou, fille de Sion captive. Car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien. Vous serez rachetés sans argent. Mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour que là, que c'est moi qui dis, me voici. Lève-toi, famille trinitaire, solidaire dans la prière et le sacrifice avec l'Église persécutée. L'appel est lancé. Nous sommes tous concernés, comme nous le rappelle le Père général de l'Ordre. Du fait de la persécution, des milliers de personnes sont déplacées. De nombreuses familles sont sans nouvelles. Devant la détresse de situations dramatiques, des hommes et des femmes qui connaissent le prix de la vie se lèvent. Beaucoup s'organisent en réseau, des associations s'activent pour soulager la misère, cherchant les racines du mal. Me voici, dit Jésus, comme aux filles de Jérusalem, il se donne à connaître à ceux qui pleurent sur le mal des autres. En consolant, le Christ libère, il fait appel à notre humble décision de répondre aussi, me voici. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par qui nous est venue la rédemption et nous a été donnée l'adoption, jette un regard de bienveillance sur tes fils bien-aimés et donne à ceux qui croient au Christ, le très saint Rédempteur, la vraie liberté et l'héritage éternel. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent à ton paix. Amen. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté et puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il y a des plaintes que l'on n'entend plus. Elles sont de l'autre côté du mur épais de l'isolement, près de tomber dans l'abîme du désespoir. Souvent, le silence pèse sur les chrétiens persécutés. Leurs cris sont comme étouffés par la désinformation, par les dérives de l'opinion. Rien ne fait surface. Le sol se dérobe à leurs pieds. Ils n'ont aucun appui.
Cette troisième chute de Jésus a-t-elle été vue, entendue par la foule massée au bord du chemin de sa passion? Spectateurs aveugles et sourds que nous sommes, et pourtant le mal nous guette tous. Le Christ attend seulement le pas, le geste du frère qui peut ôter la pierre sur le passage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Tu n'as que faire, Seigneur, de nos prières et de nos sacrifices, si nous sommes infidèles à l'alliance. Apprends-nous à t'offrir avec Jésus, ton Fils, le seul sacrifice qui te plaise. Dénouer les chaînes injustes, briser tous les jougs, ne pas nous dérober devant celui qui est notre propre chair. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que ne fleurs aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal de la croix. La situation des chrétiens maltraités à cause de leur foi frise l'indécence. Violés par leurs droits fondamentaux, privés des biens les plus essentiels, ils ont été évincés des articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déracinés, ils n'habitent plus leur maison détruite. Leurs églises ont été incendiées. Ils n'ont pas demandé de privilèges. Ils veulent seulement pouvoir œuvrer dans un esprit évangélique. C'est cela aussi leur est enlevé. Ils deviennent minoritaires dans la précarité, leur culture est peu à peu atteinte. À la merci de l'arbitraire, les chrétiens en fuite cherchent un endroit sûr et protégé. Le Christ, revêtu du seul amour du Père, ne donne aucune prise à la toute-puissance. Il consent à ce que brutalement, plus rien ne l'habille, laissant à la vue de tous la beauté bafouée de son corps. Que reste-t-il quand tout ce que l'on possédait est enlevé? Jésus est le Fils de Dieu. Dans son dépouillement, il nous conduit jusqu'au plus précieux de notre être,
d'hommes. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu qui seul est saint et qui nous commande pourtant d'être saint comme toi, tiens-nous dans le corps de ton Christ ce qui le mal n'a point de prise. Donne-nous son regard et son cœur. Réduis au silence toute parole mensongère et que ton Église, humble et pauvre, soit au milieu de ce monde le signe de ta justice. Par Jésus, le Christ notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Quand l'ange Gabriel était apparu pour t'annoncer la venue de Jésus, tu n'as peut-être pas bien compris, Marie. Pourtant, tu as dit oui. Dis oui, Marie. Oh, Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Mystérieuse configuration au Christ. Scandale et folie de la croix. Aujourd'hui comme hier, avec nos frères chrétiens cloués chez eux à cause des dangers qu'ils encourent, parqués dans des camps, exténués par les travaux forcés qu'on leur inflige. Avec nos frères soumis au pouvoir des violents, torturés, exécutés secrètement. Comment entendre la parole du Christ? Il vient, le prince de ce monde, mais sur moi, il n'a aucun pouvoir. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur unique salut des malheureux, dans le cri de ceux qu'on abandonne, entends Jésus qui t'interroge. Dans les corps qui n'inspirent que dégoût, vois le corps de ton Fils en croix. Dans les foies de ceux qui sont sur leur faim, reconnais l'agonie de ton bien-aimé. Ne feras-tu pas pour les hommes qui te cherchent ce que tu as fait pour lui? Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de les fins fidèles reposent à ton Père. Debout la Vierge
Deuxième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Lourd tribut payé à l'intolérance et au fanatisme. La mort nous livre son mystère. Dans les pays de forte opposition, l'Église, malgré tout, expérimente la foi et la paix dans l'attente d'une libération. Fécondité du témoignage de ceux qui, comme Jésus, meurent en pardonnant. Le Christ est mort pour tous. Force de l'esprit, puissance d'amour qui fait vivre et délivre tout homme captif. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière retrouvée sur un juif anonyme au camp de Treblinka. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté. Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas de leur cruauté, de leurs sévices, de leur violence. Souviens-toi du fruit que nous avons porté à cause de ceux qui nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Par Jésus, le Christ notre Rédempteur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Ô mon peuple, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné?
l'arrestation, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que moi, je vais leur porter remède et guérison. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme avant. La parole c'était, Jésus a achevé son œuvre. Livré par le Père pour que les hommes aient la vie en abondance, livré par les hommes à la mort infâme, don, total abandon, offrande. Marie reçoit le corps sans vie de son fils. Avec lui, elle porte l'écartèlement de l'humanité sans Dieu. Et Marie se souvient, « Moi, je vais leur porter remède et guérison, dit le Seigneur. Je vais leur révéler une alliance de paix et de fidélité. » Oui, dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Comment Marie, Notre-Dame du Bon Remède, ne veillerait-elle pas sur ceux qui, comme son fils, sont réduits à l'impuissance, totalement livrés aux mains des autres? Elle qui ouvre à tout son cœur miséricordieux, comment ne prendrait-elle pas soin de leur lien profond avec le Christ pour que là où ils n'y attendent plus rien, leur soit donnée une énergie spirituelle nouvelle? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, par ton Fils unique, notre Sauveur, tu as apporté au monde le remède du salut. Donne-nous, par sa mère, la Vierge Marie, que nous vénérons sous le titre de Mère du Bon Remède, de toujours sentir sa présence et sa protection dans tous nos besoins physiques et spirituels. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts fidèles reposent en paix. Amen. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, mon peuple. Et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ouvrier, j'attendais que ta main soit offerte. Ô mon peuple, mais ton cœur s'est fermé sur ton espoir humain. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous guérira. Il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence.
auprès des tombeaux du monde, que faire sinon nous tenir silencieux et priant? Dans l'Église persécutée, les chrétiens connaissent le tombeau de l'enfermement, l'anéantissement, sous la pression des autorités ou les mauvais traitements. Traqués, ils savent aussi l'angoisse mortelle de l'horizon bouché. Cachés, tapis, ils touchent le fond. Morts, certains peut-être même, pas enterrés, inconnus, quelle issue. Le Seigneur vient visiter les entrailles de la terre, lui, le vivant. Avec l'homme chétif et blessé, sans voix, il scelle son alliance. Il vient de nuit, la lumière que nulle ténèbre ne retient. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Ô Dieu, dans le mystère de ta providence, tu as uni l'Église à la passion du Christ, ton Fils bien-aimé. Accorde à ceux qui souffrent la persécution à cause de ton nom l'esprit de force et d'amour, afin qu'ils soient des témoins authentiques et fidèles de tes promesses. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de défunts fidèles reposent en paix. Amen. Et mon nom les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et mon nom les uns les autres comme Dieu nous a aimés jusqu'en souffrir. À toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce, dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Trinité sainte, Trinité bienheureuse, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Trinité sainte, Trinité bienheureuse,
et dans ta main sur moi. Me voici, Père, par Jésus, je me donne, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Me voici, Père, par Jésus, je me donne, ton esprit soit sur moi. Jésus, lumière, Jésus, Verbe du Père, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Jésus, lumière, Jésus, Verbe du Père, je dis oui comme toi. Esprit de grâce, lien du Fils et du Père, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Esprit de grâce, lien du Fils et du Père, recrée mon cœur d'enfant. Très chers auditeurs et auditrices de la station mariale, la famille trinitaire vous remercie pour votre participation à la méditation du chemin de croix pour les chrétiens persécutés. Nous nous donnons rendez-vous avec la grâce de Dieu vendredi prochain. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.